Hello, bonjour, c'est Mina. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième jour de Advent Angle, 3 décembre. Et nous allons dessiner ensemble le motif Suizen de Takami Hara, qui est une Suizetti. Alors, j'ai donc utilisé mon gabarit pour ma bordure et je vais commencer par un petit pont comme ça avec un petit fescu en haut. Je vais entourer tout ça d'une forme je cherche mes mots et en même temps je dessine. Une forme comme ça, en zigzag. Et ensuite, je dessine 6 branches. De la première, je vais dessiner un pétale. Et je vais compléter en pivotant ma tuile. Désolée si je racle un petit peu ma gorge. L'alternance du chaud, de la clim. Je crois que ça fait pas bon ménage. Voilà pour Suizen. Du coup, je vais prolonger mes traits comme ceci et je vais élargir et on va rajouter par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Je vous invite donc à rajouter des nervures dans les 6 pétales de notre fleur. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas envie de rajouter, le faites pas, hein. Rien d'obligatoire. Voilà. Voilà, du coup, dans la déconstruction de base, il y avait quelque chose à l'intérieur ici. Je pense pas que je vais faire. Je vais laisser comme ça, parce que sinon j'ai peur que le fait que là je me suis lancée dedans, j'ai épaissi les traits ici, là, à la jonction.
si je rajoute des, si je rajoute encore une fois des traits là-dessus, là-dedans, ça risque de faire trop charger. Donc, on va recommencer un côté. Voilà. J'ai un peu trop collé mes trucs, c'est pas grave, no mistake. Du coup, je prolonge ici. Je peux rajouter un pétale ici. Pas de souci. Vous pouvez rajouter une deuxième rangée. C'est comme vous voulez. Le milieu, du coup, cette fois-ci, je vais faire comme la Cisetti l'a proposé. Je vais noircir des petites bandes. Et j'ai bien envie de laisser l'extérieur comme ça plutôt que de. Ou sinon. Juste au milieu. Ça. Ça fait un petit peu fouillis là. Allez, on va rajouter des tipples à l'intérieur. Ça va encore bien alourdir mon dessin. Je serais ravie de venir voir ce que vous avez fait, comment vous avez géré l'intérieur des pétales de ce motif. Voilà. Et voilà. Un petit dernier pour la route.
Voilà. Je préfère quand c'est vide ici à l'intérieur. Et pourquoi pas laisser comme ça? Alors, de quoi, avec quoi allons-nous compléter notre tuile? Donc là, pour Suzanne, c'est fini. J'arrondis ici, j'ai bien envie de remplir de nouveau. Là. Si vous avez un feutre plus épais, genre à point de brush, ou un 0,8 ou un 10-12, c'est le moment de le sortir. Et si vous avez envie de compléter de noir comme moi d'ailleurs. Ici, je vais rajouter des petits pulls de plusieurs dimensions. Et je remplis les interstices. Avec du noir. C'est une façon de compléter sa tuile. On aurait pu dessiner des feuilles, des flux, des mocas. Vraiment, laissez-vous porter par le flot et dessinez ce que vous avez envie. Pour compléter votre tuile. On va continuer. Allez. J'arrête de parler, je me concentre sur mes tuples.
Alors, j'avoue que je ne voyais pas ça aussi chargé. Du coup, je vais commencer par l'extérieur de mes fleurs. Voilà. On va estomper tout ça. Et vous allez voir que le fait de mettre de l'ombre à l'extérieur du motif, ça va faire ressortir nos fleurs. Sur notre fond. Déjà là, mes fleurs ressortent sur mon fond. Ensuite, pour le coup, je vais choisir un autre rouge. Ça, c'est un crayon aquarelle de chez General Pencil. Je voulais un peu plus rouge que un peu plus rouge que le Derwent Ink Tense. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Roulement de tambour. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de gris. Qu'en pensez-vous?
Alors, ou sinon, on va prendre un rouge. Plus foncé. Pour accentuer les ombres dans la fleur. Je sais pas si je peux. Le gris, ça risque de faire caca. Hein? On va rester sur le rouge. Donc, alors, je commence avec celui-ci. Pour le coup, là. C'est mieux quand je mets le crayon directement sur le papier. J'ai plus de... de contraste. Je vais chercher mes mots. Vous voyez, du coup, peut-être. On va ajouter ici. Alors, si vous avez envie de continuer de travailler avec des crayons aquarelles, je vous conseille vivement, fortement, d'avoir 2 à 3 même crayons plus ou moins foncés hein, pour pouvoir faire des dégradés dans la même teinte. Vous voyez, là, j'ai posé la couleur la plus claire. Ensuite, je viens accentuer avec
mon crayon foncé et je vais activer la couleur avec mon pinceau à réserve d'eau. Pour le cou, on a juste rajouté un petit peu de gris. À l'intérieur, ou une autre couleur, orange, du jaune, si vous en avez envie. Et tailler un petit peu. Alors, avec le pastel blanc, je vais essayer de d'illuminer, d'éclaircir un peu. Mais métal. Si je vais pas venir chatouiller tout de suite parce qu'en fait c'est encore mouillé, je risque de déchirer le papier plus qu'autre chose. Donc, si vous avez un petit stylo gel blanc, c'est le moment. J'active la pointe de mon feutre Artistro. Ça peut être un Posca, ça peut être un Sakura gel blanc.
tout en sachant que les feutres blancs comme ça, les feutres acryliques blancs, en général, que ce soit Posca ou la même Artistro, faut être patient. Hein. Pas tout le temps ça marche. Et pour que ça marche, il faut absolument que le support soit sec. Si vous n'aimez pas, bon là j'ai déjà mis le stylo, je vais c'est trop tard. On peut aussi accentuer nos ombres avec un crayon pastel. Bon là c'est un peu tard parce que j'ai déjà passé le stylo gel blanc. C'est pas grave. J'espère que vous aimez ce que vous avez dessiné. C'était donc Suzanne de Takamihara, de Cisetti. Et ça va au final. Au début, j'étais un petit peu sceptique avec mes tipples. D'ailleurs, on peut aussi éclaircir cette zone. Voilà. Très belle journée. À demain. Bye bye.